comment ça va? Ça va et toi? Moi, ça me fait très plaisir de te voir. Non, on est content hein, de se voir comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est bien foutu en conseil? Bien foutu, hein. Ça, ça a été pensé par quelqu'un qui est pas stagiaire. C'est pas un stagiaire, en fait. C'est pas un stagiaire qui a foutu le bordel. On vient de voir Marc Di Marco. Ouais. Qui est complètement rébou, hein, on peut le dire. Hein, ça... Oui, on pense qu'il a le mec qui a complètement pété un Il est alcoolisé sur scène. Il fume, il porte des gens sur son dos. En même temps qu'on écoutait le type qu'on papotait, on s'est dit, donc tu fermes les yeux, tu entends la voix, tu ouvres les yeux, tu n'as pas l'impression que c'est la même personne, tu vois. Car il a une voix très sexy. Ouais. Et physiquement, ça peut être ton tonton. Ouais. Bon, alors vraiment, c'est. Je regardais une émission qui s'appelle Monument, hein, sur W9, parce que chacun a des soirées qui mais... voilà. Et c'était sur la Tour Eiffel. Et là, me prend un fou rire, seule. Et la personne qui m'accompagne, à un moment donné de 20 minutes de fou rire, me dit bon, bah, qu'est-ce qu'il y a? Et là, je dis heureusement que Monsieur Eiffel ne s'est pas appelé Monsieur Issa. Parce que la Tour Issa. Ah! Vous avez... Merci. Alors, je sais que tu es un passionné d'histoire drôle, de blagues de plaisanterie. Alors, je ne vais pas me la jouer, mais je suis quand même champion interdépartemental de blagueopardie. Bien sûr. Plusieurs années d'affilée. Et t'as gagné en 2006, 2007, 2008. Ouais, 2008. J'ai fait un petit break, j'ai eu une fracture qui m'a empêché de jouer pendant plusieurs années. Bien sûr. Voilà. Mais tu reviens, c'est ton comeback. C'est mon comeback, ouais, tout à fait. Tourista, c'était efficace, hein, vous l'avez compris tout de suite. La réponse est Super Tomate. Qu'est-ce qui est rouge et qui est vert? Bravo, bonne réponse. C'est Jean-Michel Raconte-Mal. C'est exactement ça. Alors. C'est l'histoire d'un zoophile qui rentre dans un bar. Voilà. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Elle est on embrasse tous les poissons qui nous écoutent. Ah, c'est cool. Ça tombe dans un pince. Tu pèses dans le game. Ouais. C'est validé. C'est validé. C'est vrai. Il y a un rire dans la salle, c'est pas mal. C'est mieux que pas mal de mecs qui font du stand-up. C'est quand même pas mal. Check à toi. Check à toi. Check à toi. Check à toi. Et check à toi. Allez, bonne soirée. C'est carrément la même chose. C'est quoi la différence entre un alligator et un crocodile? Bonne réponse! C'est la victoire! Alors le champ! Moi je la connaissais déjà donc! Est-ce que je chope le chopin Catherine Laborde? Oui! Juste pour dire je l'ai fait, tu vois? Oui! Jacques Chirac. Ah oui, bien sûr. Ah oui, Chirac. Alors, là, je pense. Je chope vieux ou je chope jeune? Ah bah, jeune, préférablement. C'est un beau Les dents, c'est toujours un atout, hein. Mais tu chopes plein de mieux, toi. Alors, comme je disais, je n'aime pas les messieurs. Ah, c'est vite. Non. Non, alors, Jacques Chirac, j'irai à Rock en scène avec lui. Voilà. Oh, c'est d'un. Attends, moi j'en ai un aujourd'hui. Est-ce que tu préfères rouler une pelle à Patrick Sébastien ou à Johnny Hallyday? Je voilà, là, j'ai follow. Et Audrey Pirot. Voilà. La pizza à la moyenne. Ah, ça m'énerve. Ah non, mais alors, mais ça, mais vas-y, mais je suis dans la colle pendant qu'il y est. Il y a deux trucs qui m'énervent. La pizza hawaïenne et les pins. Et les pins, ça me met en colère. Si tu veux manger des fruits, mange des fruits. Et c'est quoi le problème avec les pins? Mais c'est pareil, mon gars, tu veux manger du chocolat, mange du chocolat, tu veux manger des fruits, mange des fruits. On essaye pas avec les mini Golden Grams, ils étaient parfaits à la taille qu'il y avait avant. D'un coup, ils nous font des mini Golden Grams, ça croque pas pareil dans la bouche. What the fuck? Tu es sage sur mon attitude, non, je n'ai pas l'habitude. Et si je capitule, la toute triture est une titube. En passant la tibitude, là, alors tu capitules, j'ai fait le bilan sur mes études. Parlez pas par bilan, priez pas sur les rues du monde. Y'a personne dans les rues du monde, si personne vous dit que j'y vends, sont juste des indéterminants. Personne ne choisit pour moi, c'est ma voix donc c'est mon choix. Si je suis le roi, j'ai tout droit. Et papa, j'ai le pouvoir. Être une étoile, c'est la même chose. Mais trop boulot, mais non. Mais encore, c'est le béton. Toujours te pousser, c'est le même con. J'ai ma vie pour vis-à-vis. La vie, la vie, que je surgis. Liberté avec surgis. Société faite de méprime. La routine quotidienne est familière. Tout tourne en rond, comme la terre dans le système solaire. Si la poussière s'habille en terre, on passera dans la lumière. Si on ne trace pas bien nos rêves, on n'est pas prêt de faire des pères. Salut. Elles sont belles, dis donc. Salut, c'est quoi vos prénoms, les filles? Salut. Ouais, c'est... J'ai l'impression que c'est l'un des choses en cas français, elle, hein. Donc, un peu me remplacer, hein. Je vous souhaite. Vous faites quoi ici? Voilà. Merci, Audrey. Oh, merci. Ça fait ravi de te voir. Moi aussi. Tu sais, tu vieillis pas.